Bonjour YouTube, bonjour, comment ça va? On disait beaucoup de bien de toi juste avant. Voilà, parce qu'il y a le bras de fer du coup. Regarde, c'est le nouveau bras de fer qui vient de sortir. Du coup, on est en live avec les viewers. Regardez, ils disent bonjour. Est-ce qu'ils disent bonjour YouTube les gens aujourd'hui? Est-ce que les gens disent bonjour YouTube ou pas? Alors, parce que là, les viewers sont en mode poney. Parce que regardez le nouveau bras de fer. Regardez, on vient de le découvrir si vous venez d'arriver en live aussi avec nous. Regardez ce qui se passe. C'est la folie bergère. Alors qu'il y a un mec qui se regarde. Regardez ce qu'on leur fait à ces gens-là. Merde, bâtard, putain, c'est pas trop. Bon, j'ai pas le temps de me le faire, c'est pas grave. Voilà. En fait, c'est un nouveau bras de fer formidable. Alors ça s'appelle à râleur et demi, évidemment c'est formidable, mais l'agonie n'est pas la fin, loin s'en faut, car les serviteurs avec l'agonie le déclenchent deux fois. Donc évidemment les gens ont tout de suite dit, joue les poneys, regardez, voilà, les gens qui sont contents de vous voir sur YouTube, c'est la folie, voilà, la folie. Et du coup évidemment, qui dit râle d'agonie dit poney. Donc on va faire un vrai deck râle d'agonie, déjà attendez, parce que bon, faut pas déconner, hein. Râle d'agonie. Donc on va mettre évidemment Destrier de l'effroi, Implorateur du vide, on met le Fossoyeur, on va mettre deux Crocs Zorbit, on va mettre deux Amasseurs de putain. On va mettre des cartes évidemment, on va mettre les rampes enchantées, on va mettre les golems des moissons, les zones érubiens. On va faire un truc stylé, vous allez voir. Le baron va y fendre évidemment, hein. Deux déchiqueteurs pilotés, formidable. On va pas mettre de crash blast, on va mettre deux golems célestes pilotés également. Ça c'est le feu de dieu. Deux Sylvanas, ça c'est très très bon, ça c'est très drôle ça. On va mettre le machin là. Voilà, on a mis tous les rats de l'agonie qu'on voulait mettre. Maintenant qu'on a tous nos rats de l'agonie, on va mettre deux puissances accablantes pour aller avec ça. Voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas, bonjour à tous, hein. Et bonjour si vous nous regardez en différé sur YouTube, c'est toujours formidable de vous avoir aussi avec nous, hein. On vous aime YouTube, on vous aime. Sans vous, on n'aurait pas bientôt 50 000 abonnés, hein. C'est formidable. Alors, on va quand même mettre deux bombes de matière noire parce qu'on va tryhard. Pourquoi Croc Zombie? Ah non, Croc Zombie c'est de la merde, j'avoue, parce que... Non mais j'avoue, Croc Zombie c'est de la merde en fait. Ah ouais, j'avoue qu'en fait activer deux râles d'agonie du croc zombie c'est de la merde. Effectivement, j'ai pas vu ça comme ça, mais on va mettre deux voiles de mort, c'est bien. Parce que moi je travaille là, je vous le dis là, je suis méga chaud. On a mis les poneys du coup, qu'est-ce qu'il y a avec les poneys déjà? Bon, il y a vaille fendre, on va mettre une flamme infernale, deux flammes infernales, vas-y, deux flammes infernales c'est bien. On va mettre des cartes, on va mettre un garde funeste, on va mettre Mal'Ganus, évidemment je l'ai pas en doré. Et Jaraxxu, non Jaraxxu c'est pas fou. Qu'est-ce qu'il y a avec les râles d'agonie? Ah oui, putain, j'avoue, mais l'exorciste, c'est très bon ça. Ah, bien vu les viewers, ça c'est formidable. Ça, regardez les viewers, franchement, c'est des intellectuels. Est-ce qu'on a plus d'intellectuels qu'un viewer? Regardez ce qu'ils nous disent. On met deux mini exorcistes parce que tout le monde a joué ça dans son deck. Regardez, hop. Ah, ça c'est très bon, ça c'est très très bon ça. Du coup, j'enlève même un golem des moissons pour ça. Progression plus simple pour chaque. Très bien, parfait, on est bon? Tout le monde est chaud? Est-ce que j'ai mis quel tutu? Oh, je peux mettre quel tutu? J'ai pas mis quel tutu? Attendez. Faut mettre quel tutu? Docteur Boom, c'est pas fou, on s'en fout. Au pire, je mets pas Sneed. Non, mais Sneed, c'est rigolo. Au pire, je mets pas le garde funeste. Pas les couilles. Non, mais c'est bien, garde funeste. Au pire, je vire une bombe de matière noire. Et là, mais quel tutu. Allez! Terreur du vide. Non, pas Terreur du vide. C'est pas les rats de l'agonie, Terreur du vide. Qu'est-ce que vous racontez? Ah, mais j'avoue, Terreur du vide, c'est bien. Au pire, j'enlève quand même des moissons. Et j'avoue, Terreur du vide, c'est bien. Putain, vous avez raison, vous êtes fort en fait. On va mettre Terreur du vide. C'est très très intéressant. Et au pire, on enlève un Sky Golem. Non, au pire, j'enlève le garde funeste. Vas-y. Et je mets deux terreurs du vide, comme ça, ça fait que l'implorateur. Ok, nice! On est bon! Terminé! Et on va tester le deck. Voilà. Ça va être formidable. Terreur du vide, c'était très très bien. C'était une très bonne idée, les viewers. Vous êtes vraiment beaucoup trop forts pour moi. C'est dingue, quoi, d'avoir des viewers de cette qualité. C'est juste phénoménal. Alors, en tout cas, toujours pareil, qu'est-ce que vous pensez du bras de fer, du coup? Est-ce que vous pensez sur le chat, que ce soit sur le chat, sur les commentaires YouTube, évidemment, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est bien? Ou est-ce que c'est pas bien pour vous, le bras de fer? Regardez, je vole. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Na. Ah, Michel Sardou, extraordinaire. Na. Alors, attendez, ça veut dire que ça va activer donc deux. Oh, je garde tout, mon gars, je garde tout comme ça, là, on est bien là. Alors, vous en pensez quoi? Pas terrible. T'aurais pu faire un deck chasseur fendre la mort. C'est vrai qu'on aurait pu faire ça. C'est bien. Alors, celui-là n'a jamais été fait. Mais celui-là est bien. Depuis quelques semaines, je trouve que c'est de mieux en mieux en fait. Celui-là, il est inédit, il me semble, hein, on est d'accord, non? Le Warfare, c'est l'avenir de l'e-sport. Moi, j'aime bien. Moi, je suis content. En fait, ça fait un paquet gratuit. Bon, paquet gratuit, ouais, je m'en bats les couilles, mais voilà. Moi, je trouve ça rigolo. C'est rigolo, c'est bien. Et les gens qui débutent ne crachent pas sur un truc gratuit en fait. Fait pour les poneys, ce bras de fer. De toute façon, en plus, on va un bras de fer sur les poneys. Donc, c'est la folie, quoi. Voilà, on peut le dire. Hein. Bras de fer sur les poneys, c'est juste dingue. Donc, ça fait la différence. Alors, bon, on fait ça. Du coup, il va avoir masse araignée ce bâtard. C'est pas grave. Mais du coup, c'est-à-dire que ça fait faire un quadruple. Parce que ça fait quoi? Ça fait. Ok, donc en gros, ils vont se déclencher trois fois mes râles d'agonie. Ça, c'est formidable ça. Ça, c'est très bon ça. Du coup, j'ai mangé de la tarte évidemment, de la paille. Ok, en fait, il a fait comme moi. Du coup, il a mis tous les trucs à râles d'agonie comme un bâtard. Forcément, hein. Obviously. Vas-y, mais du coup, je fais ça moi. Regarde, je fais tac. Bam! Là, forcément, on va avoir
Ah oui, ça se lit deux fois. Oh, ça c'est ghetto ça. Ça c'est David Ghetto ça. Mais du coup, c'est pas grave, parce qu'elle a BAM! Double 4-4. Et voilà. Hop, omelette norvégienne. Ça c'est fait. Ce matin, t'es déjà disponible il y a quelques semaines. Ah bon? Non, c'est la première, non? Il me semble que c'est la première. Hein. Non, mais c'est bien, ça change un petit peu. En tout cas, moi j'aime bien le mercredi. On est ensemble sur la Millennium TV Hearthstone et on découvre le nouveau bras de fer. Et moi je dis, c'est formidable, on est content. Moi je suis content en tout cas. Alors, puissance accablante. Ah oui, d'accord, le mec il est en mode comme moi, il a mis des puissances accablantes. Des puissances accablantes. Des puissances accablantes. Des puissances qui font des paix. C'est des puissances accablantes. Ok, bon. Et je suis là, bon, bah, peu importe, peu importe. Et oui, j'ai vu que Julien Lepers a tweeté Marc Dorcel aujourd'hui. J'ai donc créé un monstre. Je suis très fier. Je suis très fier de mon, je suis très fier de mon Julien, honnêtement, qui a tweeté Marc. C'est formidable, vraiment. Bon, je vais jouer mon déchiqueteur. J'ai pas envie de flamme infernale parce que ça tue mes créatures. Ça fait chier. Là, déchiqueteur, il va le tuer. Ça va faire pop deux trucs. C'est trop marrant. Donc, c'est bien. Donc, je suis content. Alors, c'est la première fois. C'est ça, c'est ça. C'est la première fois qu'il y a eu ce bras de fer là. On est d'accord. Parce que je m'en serais souvenu. Il y a qu'un bras de fer que j'ai pas fait parce que j'étais pas concentré dessus. Mais voilà. Donc, c'est bien. Moi, je suis content. Alors, il va clean. Ouais. C'est Vaille Fendre en fait. Bah oui, c'est le baron Vaille Fendre. Ou sinon on peut l'appeler en anglais. En anglais, c'est le baron Rivendare, tu vois. Le baron Rivendare, ça c'est la classe à Dallas. Mais ouais, en français c'est Vaille Fendre. C'est bien aussi. Alors Sylvanas deux fois. C'est fort, non? C'est fort, hein. C'est fort, c'est fort. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, on fait ça, on fait pièce, flamme infernale, et là des milliards de rip-hop. Et voilà! C'est fort ça, non? C'est une 2-4. Elle peut pas attaquer, c'est vrai, putain. C'est ce que j'ai. Attaquer normalement dans ce tour. C'est fort, mais c'est de la merde du coup. Parce qu'une 2-4 pour 2, statistiquement, c'est OP shit, mais bon. Non, mais c'est bien, c'est bien. Alors, déchiqueteur piloté, deux fois plus de chances d'avoir la 0-7. Ah, tu parles de l'hospice funeste. Inutile va y fendre. C'est un bras de fer. Est-ce qu'en bras de fer, on est là pour chercher l'utilité? Eh bien, non, évidemment. On est là pour rigoler. Parce que c'est rigolo, voilà. Et là, Skira, quitte comme un bâtard. Ah! Ça c'est rigolo ça comme carte. Ça c'est très marrant ça. Ça c'est très marrant, ça me fait rire. En tout cas, bonjour à ceux qui l'ont joué, salut à tous, salut à tous ceux qui sont présents. Eh c'est quoi ce deck de merde avec des grands canons et tout? Il y a tellement pas de chance que ça va taper sa créature. Tellement, j'étais sûr. Oh là là, pauvre homme, pauvre homme. Bon, je vais Sylvanas, vas-y, c'est rigolo. Et je full face, hein, de toute façon là. Ah, c'est vrai que je peux pas attaquer avec lui du coup. C'est pas grave. On verra bien. Ah bah voilà, ouais, je quitte très bien. Donc on a un paquet. Bon, alors on en fait une. On en fait une. Alors. On en fait une et on regarde le booster après la game. Comme ça, là, on fait rager évidemment les gens en live et sur YouTube. Là, YouTube rage, là, c'est sûr. Parce que, mince. Après, non, YouTube a un avantage sur vous, les mecs. C'est que YouTube peut aller directement à la fin de la vidéo voir le booster. Alors que vous, là, vous êtes obligé de rester. Bah oui, parce que vous êtes dans le présent. Alors qu'en fait, voilà, YouTube est dans le passé. Donc, c'est. Enfin, YouTube est dans le passé, c'est vrai. YouTube, c'est vrai, YouTube est dans le passé, putain. Donc, YouTube tellement has-been. C'est-à-dire que le mec, quand il regarde ça sur YouTube dans un jour ou dans 2-3 jours, vous l'avez déjà vu en live 2 jours avant lui. Ce qui fait que les mecs de YouTube sont tellement has-been, mon gars, ils sont en PLS de ouf. Après, eux, ils peuvent voir le booster avant vous. Voilà, ça c'est vrai. Ah, le poney! Formidable, 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 génial, génial, je suis ravi. Ça c'est très très bon ça. Alors, ça c'est très 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 bon ça. Alors, du coup, pendant ce temps, Veracruz, venez-vous bien? On est bien là. Alors, ça c'est que les créatures de l'adversaire, ça. Hein. Pour chaque serviteur adverse avec Kraal d'Agonie, parfait. Est-ce que je vous ai dit qu'il y a eu du gratin dauphinois à Webedia aujourd'hui? Oh, qu'est-ce que j'aime le gratin dauphinois! C'est la folie. Après, les pommes de terre étaient. Enfin, je sais pas si vous avez souvent ce problème vous aussi avec le gratin dauphinois. Les pommes de terre étaient un petit peu trop fermes. Ce qui fait que c'était un peu dur et c'était un peu désagréable, certaines pommes de terre. Après, je pense que c'était vraiment la qualité des patates, à mon avis. Parce que la cuisson était superbe. Donc, à mon avis, c'était vraiment la qualité des patates. Et voilà, mais qu'est-ce que j'aime le gratin dauphinois, c'est dingue. Allez, mini-exercice. Du coup, ça fait une 3, une 4, une 4-5. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais, quand c'est comme ça, c'est fort. Hein. Ah bah t'as Rieti quoi, t'as Rieti, t'es content, moi je suis content là, je sais pas vous, moi je suis content. Donc voilà, moi j'adore le gratin dauphinois, c'est juste dingue quoi, c'est, je sais pas, je trouve que c'est genre le plat ultime quoi, je trouve. Bon, les gens sont d'accord avec moi apparemment. Allez poney! Du coup ça va être fort de ouf ça non? Parce que du coup je vais pouvoir contrôler le board de manière totale. Je vais pas m'avancer mais attendez. Je vais pas m'avancer mais l'adversaire est en PLS. Ok, bon il met Vaillefort. Ce qui fait que ça va s'activer donc combien de fois? Il pioche 3 cartes, ça veut dire pas 4, 1, 2... Seulement deux! Comment ça? Ah bah oui, ça change rien du coup! Parce qu'il s'active deux fois! Ah bah oui, donc c'est de la merde! Du coup, le mec est mad! Parce qu'en fait, il s'active deux fois! En gros, ça fait le même. Oh, d'accord, c'est rigolo! Et ça, on pouvait pas le savoir à l'avance, honnêtement, bien malin, le mec aurait pu prévoir ça!
Du coup, double. Ok, bah, c'est bien dommage. Bon, j'ai mon Wi-Fi, du coup, je me sens baisé aussi. Est-ce que je vais aussi tester avec le mien? On verra, comme ça je lui montre qu'il est pas seul. Bonjour! Et du coup, est-ce que j'en ai trois moi? Bah non, j'en ai que deux, c'est pareil. Formidable, très bien. Bah, du coup, je tue mon poney. Comme ça, plus de poney! Les poneys des enfers! Ta 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 Oh, très drôle ça. Mais alors deux stalags et deux feugènes. Ça c'est formidable ça. Ça c'est vraiment une bonne idée ça, je pense que. Alors. S'il traite ton poney. Oui, il peut saturer mon board avec des poneys. J'avoue que c'est chiant ça. Ah bah oui, du coup, il peut saturer le board avec les poneys. Ça, c'est extrêmement embêtant ça. Après, j'aurai toujours le nœud nérubien qui est présent, donc c'est formidable. Bon, attendez. Est-ce que je tue stallage? Je vais tuer stallage. Du coup, le board est full. Mais c'est normal, vous inquiétez pas. J'ai pas envie que le board soit trop rempli de poneys non plus, hein, ça serait dommage. Vas-y, je pioche, manque de respect. Voldemort. Ok. Non, mais si j'arrive à installer Mal'Ganus, on est bien. J'avoue qu'il y aura une saturation de poneys peut-être sur le board. Oh, ça va être la merde, mon gars. Il va me saturer mon board de poney. Oh, la saturation des poneys. Oh, il a Feugène! Ah mince. Ah mince. Et là, s'il est pas trop con, mon gars, il fait une saturation des poneys. Ah oui, il est pas con du coup. Ah oui, c'est chaud là, c'est chaud. Ah merde, putain. Oh, Terre 8, c'est très bon ça. Ah non, je pourrais pas le poser du coup, parce qu'il y a une saturation de poneys. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me retrouver. Du coup, je vais faire ça. Vous inquiétez pas, je suis sur le coup, hein. Je contrôle le game à 100%. Oh Marie, si tu savais toute la chatte que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus, top des quais. Bon, pour l'instant. Pour l'instant. Alors. Oh ouais. En tout cas, on est content, vraiment, c'est un bon bois à le faire. Alors, c'est un bon bois à le faire pour le coup, je suis assez content. Mais du coup, c'est embêtant parce qu'en fait, je pourrais jamais. Parce que normalement, le plan des poneys. Ce qui fait que le deck des poneys est pas mal en ladder. C'est que concrètement, qu'est-ce qui se passe? Les poneys, quand t'as plus le bord en Wi-Fendre, et bah ça veut dire que ton board, tu peux le re-remplir. Et là, je peux rien faire en fait, malheureusement. Donc c'est extrêmement embêtant. Ok. Par contre, j'ai mal gagné. Ah, je peux mal gagner 10 merde, c'est au prochain tour. Oh! Putain de merde, de pute. Alors attendez. Merde, merde, merde. Après, j'ai Sneed. Ça peut être rigolo. Vas-y, je mets Sneed. Vas-y, c'est pas grave. Bah les couilles. Par contre, il va y avoir qu'une légendaire. Oh putain. Et si je tue lui. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh putain de merde. Oh là 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 là. Oh là là. Oh putain. Oh putain. Bon bah, GG. Ah, il trade. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Il joue le jeu. Ah, oui, d'accord. Et du coup, j'aurais qu'une légendaire. Oh putain de merde. Iglata, glata, les sous-mandolines, mon petit bambino. La musique est plus jolie. Alors, moi j'ai les poneys, mais bon. Voilà. Que tout le ciel de l'Italie. Voilà. Bon, moi j'ai fait ce que je pouvais faire. Hein. Cordialement. Voilà. C'est là que j'aurais dû mettre Néant Distordu dans le deck. Néant Distordu aurait été une bonne carte. Bon, bah en tout cas, c'était vraiment un bon bras de fer, je suis vraiment content. Mec, bah t'es bon, t'es que c'est putain de Tadius. C'était vraiment, voilà. GG le gratin dauphinois. Bon, en tout cas, on va ouvrir le bras de fer. On va ouvrir le paquet quand même, on a fait une victoire, je suis content. C'était vraiment une bonne vidéo YouTube et un bon stream. Ah, attendez, parce qu'on peut avoir une légendaire. Rappelez-vous du bras de fer de la semaine dernière. Un paquet, deux paquets de légendaires. Eh bah tant pis. Eh bah tant pis. En tout cas, c'était bien. C'était un bon bras de fer, je suis content. Bon. Dites-moi à YouTube, hein!
Vous êtes au revoir à YouTube, parce que nous maintenant on va aller jouer notre nouveau deck guerrier taunt évidemment. Et c'est là que YouTube est en PLS, regardez pourquoi YouTube est en PLS. C'est que là on va lancer des parties, et là YouTube aurait bien aimé voir la partie avec le nouveau, regardez, le nouveau guerrier taunt disponible sur la chaîne Tank et Marmotte. Là on lance la game, et là YouTube aurait bien aimé voir la game. Sauf que malheureusement YouTube verra pas la game, parce que là c'est la fin, ils sont qu'à être là en live YouTube. Après YouTube peut retrouver la vidéo, tu tapes guerrier taunt tank, tu tombes sur la vidéo, elle est dans la... c'est une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps en plus. Donc voilà, donc on dit au revoir YouTube, voilà c'est fait, voilà, YouTube on dit au revoir, évidemment. Et là YouTube qui est pas content, ah YouTube hein, c'est compliqué, voilà, au revoir YouTube, salut hein, ouais, même pas de mulligan pour toi, bye.